Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Alors, vous l'avez compris, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un élément absolument indispensable à la vie. Il s'agit donc de l'eau, indispensable à toute forme de vie sur notre planète en tout cas. L'eau donc dans le cadre du jardin et plus particulièrement dans le cadre de notre sol. L'idée aujourd'hui n'est pas de vous donner un cours à proprement parler d'agronomie avec toute la terminologie technique qui accompagne mon propos. On va laisser ça de côté pour mes élèves. S'ils me regardent, je pense qu'ils apprécieront. L'idée, c'est plutôt aujourd'hui de voir ensemble comment se comporte l'eau dans le sol et de quelle manière est-ce qu'on peut agir un petit peu, essayer de régler un peu les problèmes qu'on peut rencontrer dans la gestion de cette eau au niveau de notre sol. Alors, de quoi se compose notre sol ? Eh bien, c'est simple. Il y a d'abord une fraction minérale qui va se composer essentiellement d'argile, de limon, de sable également. Ça, c'est pour la partie minérale de votre terre. Ensuite, vient s'ajouter à ça une fraction organique. Alors, l'organique, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout ce qui a le vivant pour origine. Il va s'agir essentiellement d'éjections, par exemple, de cadavres, de déchets végétaux, débris divers, pourvu que ça ait quelque chose de vivant pour origine. Alors, il y a également une fraction gazeuse. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, essentiellement d'air, mais également d'autres gaz et de la vapeur d'eau qui vont être issus de toute la respiration de tout ce qui vit dans votre sol, finalement. Et enfin, une fraction liquide, eh bien, c'est tout simplement l'eau qui va être présente en plus ou moins grande quantité, c'est très variable, dans votre sol. En fait, lorsque vous tenez une poignée de terre entre les mains, la fraction solide est toujours invariable. Les variations, elles, vont se faire au niveau des lacunes entre les agrégats de votre sol. En sol sec, par exemple, vous aurez peu d'eau et beaucoup d'air. Mais vous aurez la même quantité de particules solides, avec beaucoup plus d'eau et beaucoup moins d'air, dans un sol humide, tout simplement. Alors l'eau est un élément indispensable à la vie de nos végétaux, et donc dans le potager c'est vraiment quelque chose d'important. Cette eau va en fait servir de transporteur pour tout un tas d'éléments minéraux qu'elle va dissoudre dans le sol. Cette eau va donc devenir ce qu'on appelle la solution du sol, va être absorbée par les plantes. Alors on va parler à ce moment-là de sève brute et va être acheminée dans la plante pour y subir les transformations liées à la photosynthèse ensuite. Voilà, donc l'eau a une fonction un petit peu de transporteur à ce moment-là pour tous ces éléments minéraux indispensables à la vie de nos végétaux. Alors, que se passe-t-il lorsque la pluie arrive sur votre sol ? Eh bien, tout d'abord, il y a une partie de cette eau qui va s'échapper en surface. C'est ce qu'on appelle l'eau de ruissellement. Ensuite, vous avez l'eau qui va percoler, c'est-à-dire qui va s'infiltrer de la même manière que dans un filtre à café. C'est ce qu'on appelle donc l'eau de gravité qui va s'échapper vers la nappe phréatique par infiltration. Une partie de cette eau va également s'évaporer directement depuis le sol. Votre eau aura été en partie consommée par les végétaux, ces végétaux transpirent et vous perdez donc de nouveau une partie de cette eau par transpiration du feuillage des végétaux. Ce qui reste au niveau du sol et qui est accessible à vos végétaux, eh bien c'est ce qu'on appelle la réserve utile. Ça, c'est très important, il faut veiller toujours, si possible, à ce que cette quantité d'eau là soit bien bien en place dans votre sol. Si c'est dès qu'on quitte la réserve utile, il faut essayer d'y revenir pour maintenir un petit peu vos végétaux dans ce qu'on appelle disons une zone de confort en quelque sorte. Alors, les proportions d'eau dans le sol vont varier fortement en fonction des conditions climatiques. Et ce qui peut arriver à un moment donné, c'est qu'on va se retrouver en déficit. Il y a toujours de l'eau dans le sol, mais les plantes ne réussissent plus à prélever cette eau. Cette eau est fortement retenue par le sol, par la porosité du sol. On arrive à ce qu'on appelle le point de flétrissement. C'est très facile à reconnaître, on voit les végétaux faner, tout simplement. C'est pas irréversible, mais à ce stade-là, il est temps d'apporter de l'eau d'une manière ou d'une autre, sans trop traîner, quand même.
Alors, dans le cas de précipitation, disons un peu trop importante, ou d'arrosage excessif, vous risquez d'avoir un ruissellement important et avec ça une érosion superficielle de votre sol. Ça c'est important parce que vous perdez finalement surtout les argiles, et même si vous pouvez rapporter de la matière organique dans votre sol facilement, les argiles c'est pas possible. Hein, il y a que la nature qui est capable de produire ces argiles, et ça prend des millions d'années, quoi, hein, tout simplement. Perdu, c'est perdu. Alors il faut faire attention, en cas de précipitation importante ou d'arrosage excessif également, on peut en venir finalement à dissoudre un peu d'éventuelles matières fertilisantes qu'on aurait apportées préalablement, et ces matières fertilisantes peuvent se retrouver lessivées, hein, c'est-à-dire emportées avec l'eau en excès, ni plus ni moins. On peut constater parfois des pertes importantes de cette manière. Alors, dans le cas d'un sol hydromorphe, c'est-à-dire un sol qui va retenir beaucoup trop d'eau une bonne partie de l'année, eh bien, c'est la structure qui se dégrade. Votre sol aura du mal à se réchauffer également. Et puis, à terme, vous risquez clairement une asphyxie des organismes qui vivent dans votre sol et des racines également des végétaux qui s'y trouvent. Alors, que faire lorsque vous vous trouvez dans une situation d'excès d'eau ? C'est un peu compliqué parfois. On peut quand même envisager quelques solutions telles que le drainage. Alors ça c'est assez lourd à mettre en place, mais on peut prévoir la pose de drain à un moment donné sur un terrain s'il en a vraiment besoin. On peut également corriger un sol excessivement argileux. Ça on va le faire avec de l'apport de calcium notamment. On peut aussi apporter un peu de matière organique et surtout encourager toute la faune du sol. Hein, on sait que les galeries de vers de terre notamment contribuent vraiment à améliorer l'infiltration de l'eau dans le sol. Alors on va voir ensemble comment faire maintenant pour favoriser un petit peu une bonne rétention en eau au niveau du sol de votre jardin. Le vent dessèche énormément les sols, au moins autant que les hautes températures, et donc l'installation d'un brise-vent qui se veut perméable à 50%, ça c'est très important, eh bien ça peut être également une bonne solution. Ensuite, on va maintenir un taux suffisant de matière organique. La matière organique décomposée produit l'humus, vous le savez, et cet humus est un excellent rétenteur en eau, hein. Le paillage, hein, le paillage du sol, on sait très bien que la démonstration n'est plus à faire, ça conserve parfaitement l'humidité au niveau du sol, et ceci, je dirais, durablement. Alors, on entend souvent dire qu'un binage vaut deux arrosages. Eh bien, c'est tout à fait exact, hein, la démonstration est facile à réaliser. Si on regarde ce morceau de sucre plongé dans le café, on voit très bien le café monter par capillarité dans ce morceau de sucre. Hein, le café suit simplement les lacunes, là encore, entre les grains de sucre agglomérés dans ce morceau, et se ferait un chemin vers le haut. Maintenant, si je prends deux morceaux de sucre l'un au-dessus de l'autre, avec un espace entre les deux qui correspond à ce que j'aurais produit dans le sol avec un coup de binette, hein, tout simplement, eh bien, on voit que le café ne peut pas monter jusqu'au sucre du dessus. C'est très simple, hein, si vous passez un coup de binette dans votre sol, vous allez casser tous les canaux capillaires par lesquels l'eau remonte jusqu'à la surface pour pouvoir s'évaporer. Alors, il est important d'arroser peut-être moins souvent, mais de manière plus copieuse. Ça, c'est très important. De cette manière, vous allez éduquer vos végétaux à produire un enracinement beaucoup plus profond. C'est important pour deux raisons. D'abord, vous allez augmenter ce qu'on appelle la rhizosphère, c'est-à-dire la zone explorée par les racines dans votre sol, la zone qui est donc aussi influencée par vos racines, et c'est toute la vie de votre sol qui va s'en trouver augmentée. D'autre part, en cas de sécheresse passagère notamment, votre plante sera bien plus à même de résister, de faire face à cette sécheresse si elle a développé préalablement un système racinaire profond. Alors il est important aussi que vous favorisiez le développement des champignons de votre sol, en particulier les champignons mycorhiziens. Ces champignons, une fois associés aux racines de vos plantes et pourquoi pas de vos légumes, seront capables d'explorer le sol bien plus loin que ne le peuvent les racines de vos plantes. Cette exploration va permettre de prélever de l'eau là où les racines de vos végétaux ne sont plus capables de prélever, dans des interstices très très petits où seuls les champignons sont capables d'aller, quoi. Cette eau sera ensuite acheminée jusqu'aux racines des végétaux et la plante apportera un petit peu de sucre en contrepartie pour nourrir le champignon. C'est pas un service gratuit non plus, hein. Il s'agit d'une symbiose, hein, une association bénéfique mutuellement aux champignons et à la plante également.
Voilà, j'espère donc que ce petit point qui ne se voulait pas trop technique vous permet de comprendre un peu mieux comment se comporte l'eau dans votre sol et surtout de quelle manière vous pouvez agir là-dessus. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao !